maigri. L'ambition de STL, c'est véritablement de régler le problème de nos populations. Le problème de déplacement de nos populations. On a un vrai problème de mobilité. Ce n'est pas acceptable que quelqu'un pour quitter Yokogo, venir travailler au plateau, il mette 2 heures, 3 heures pour des embouteillages. Alors que quand vous prenez votre plateau à Boudoumé, donc à Yokogo par exemple, et que vous arrivez au plateau, c'est 8 minutes de traversée. Donc il n'y a pas de raison effectivement que l'on ne soit pas des acteurs importants. Et notre mission est une mission qui est citoyenne. Elle est citoyenne parce que justement, nous allons accompagner ce développement-là. On va accompagner ce développement. Et vous savez, ce dont a besoin la population aujourd'hui, c'est les moyens de transport. C'est pour ça que nous faisons un axe stratégique important sur le développement de notre flotte. D'accord ? Parce que, à la fin de la journée, ce qui est important pour le client, c'est d'arriver à quai, dans une gare, et de trouver un bateau prêt à le transporter. Donc, la ponctualité, la régularité des bateaux, c'est fondamental. Et si vous n'avez pas suffisamment de bateaux, évidemment, vous ne pouvez pas assurer ce service minimum. Mais nos ambitions ne sont pas simplement au niveau du transport public. Je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens méritent effectivement de découvrir le formidable potentiel touristique qu'il y a autour du plan lagunaire. C'est la raison pour laquelle nous allons développer une forte activité de plaisance jusqu'à Jacquesville, à Sini. Et à terme, nous allons améliorer la capacité de nos flottes pour cette fois-ci desservir San Pedro. Et vous comprendrez que déjà quand vous desservez San Pedro, vous n'avez plus le problème de la côtière. Donc c'est vraiment ça les axes stratégiques de STL.